خاوتي خواتاتي مسلخ عليكم بونسوار تو الموند زول فلاون جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تشوفونا مليح. J'essaie de partager avec vous quelques moments à l'extérieur dans cette beauté verdoyante, dans cette verdure. Ouais, si notre pays pouvait prendre aussi soin que de son environnement, si notre pays pouvait valoriser davantage son environnement, on aurait eu des paysages et des lotissements et des endroits beaucoup plus féeriques que ceux que je vous montre régulièrement ou là souvent dans mes vidéos, dans mes émissions. يا جماعة حبيت نحكي معاكم اليوم على un énorme mensonge et supercherie sur la création de richesse en Algérie. La nouvelle Algérie, يا جماعة, et je vous le démontrer chiffres à l'appui, n'a absolument rien rapporté sur le plan économique et financier à notre population. Notre pays est en train de s'appauvrir alors qu'il a tout pour s'enrichir. Au moment où le baril du pétrole a dépassé les 120 $. Il est au-delà de 100 $ depuis pratiquement le début de l'année 2022. Notre pays s'appauvrit, il ne gagne pas beaucoup d'argent. Nous avons la première supercherie. Le PDG de Sonatrach, en marge de la visite de Abdelmajid Tebboune Wahran, il a fait une déclaration, il a essayé de nous rassurer et de nous berner. Mais bon, bien sûr, le mensonge ne marche qu'avec celles et ceux qui ne connaissent pas la vérité. Il ne fonctionne qu'avec celles et ceux qui ne font pas l'effort d'aller confirmer ou d'aller chercher la vérité. Ne vous inquiétez pas, nous allons gagner. L'Algérie, grâce à ses revenus du pétrole et du gaz, va engranger 50 milliards $ d'ici l'année 2022. Ou Farhan, les 50 milliards $, c'est quelque chose où là c'est une réalisation extraordinaire, ce qui est complètement faux. Comment avec un baril de pétrole de plus de 100 $, nous allons gagner uniquement 100 $ toute l'année. Mais peut-être l'année 2022 où le baril de pétrole est au-delà de 100 $. Et les prix du gaz ont explosé. Winlergo 60-70 $ par million de BTU. Sur certains, il y a des moments, par certains moments, sur certains marchés qui européens ou asiatiques, fait tous les 100 $ par million de BTU. Il y a des prix, les cours mondiaux du gaz et du pétrole ont fait des records historiques. On trouve qu'on a 50 milliards $. Ouais, là c'est faux et c'est pas faux. C'est une mauvaise performance. Gagner 50 milliards de dollars dans le contexte d'un affaire aujourd'hui, c'est non seulement une mauvaise performance, c'est un échec total. Et je vais vous donner quelques chiffres. L'ancienne Algérie, qui en 2010, alors que le baril du pétrole était de moins de 100 $, entre 70 et 80, l'Algérie avait gagné plus de 57 milliards $. Elle dit en 2010, 57 milliards $. En 2011, le prix du pétrole a commencé à flirter avec les 100 $, ou fait les 100 $, nous avons gagné 72 milliards $. Et en 2012, lorsque le prix du pétrole était vraiment élevé au-delà de 100 $, nous avons gagné jusqu'à 80 milliards de dollars. C'était l'un des chiffres les meilleurs que nous avons enregistrés au cours de notre histoire. C'était en 2012, en 2013, on a rechuté un peu avec la baisse des prix du baril du pétrole et du gaz, parce que le gaz est indexé souvent et régulièrement sur le prix du baril du pétrole, même si des fois il prend son indépendance sur certains marchés. 2013, à le 63, 64, 65, 65 milliards de dollars. Vous pouvez vérifier ces chiffres parce que ce sont des comptes rendus publics. Il s'agit encore une fois des revenus de Sonatrach, parce que les revenus de l'Algérie, ce sont les revenus de Sonatrach. 96 à 98 % de nos revenus en devises, ce sont les exportations de Sonatrach. Donc c'est pas très compliqué d'avoir les bons chiffres. Il suffit juste de confirmer cela avec les bilans sociaux et les bilans financiers des activités de Sonatrach. Il y a en 3 années, de 2010, 2011 et 2013 jusqu'à 2014, l'Algérie a toujours gagné au-delà, a toujours engrangé des revenus au-delà de 55 milliards $. Déjà, on a 55 milliards $. Ou à quel moment, on ne parlait pas de réalisation parce qu'on aurait pu, on pouvait même, on disait à l'époque, on était beaucoup plus ambitieux, on était qu'on pouvait gagner encore davantage d'argent. Et nous, c'est la première fois, parce que entre 2010, 2011, 2012, le baril du pétrole est là, on le sent, mais qu'il n'y a pas. Par exemple, en 2019, l'année dernière, 2021, nous avons gagné 35 milliards de dollars uniquement, alors que le prix du baril du pétrole, fait depuis juin, plus de 70 $, il a décembre 2021, il a dépassé les 81, jusqu'à 90 et quelques dollars. Rappelez-vous, ça fait décembre 2021, il a 100 dollars à partir de janvier 2022. Voilà, il a 35 milliards de dollars. Alors qu'en 2019, avec un baril de pétrole beaucoup plus faible, bien 60 à 50 milliards de dollars, bien 60 à 50 dollars, des fois quand même à 40 dollars à Dakhlourt, ou il a 33 à 32 milliards de dollars. Yani, la Nouvelle Algérie ne sait pas gagner de l'argent. Elle ne sait pas du tout gagner de l'argent, elle est en train de perdre de l'argent. Il n'est pas normal qu'avec un baril de pétrole aussi élevé pendant toute l'année, il n'est pas normal de gagner uniquement 50 milliards. Lequel a une production forte, et la Nouvelle Algérie, les dirigeants de la Nouvelle Algérie, s'ils savaient réellement gérer nos réserves de pétrole et de gaz, et s'ils avaient une très bonne politique d'exportation de nos réserves, des hydrocarbures, une bonne politique de production, une bonne politique d'exportation de nos réserves, de nos produits pétroliers et gaziers, normalement, en 2022, au minimum, on devrait gagner 75 milliards de dollars au bas mot. 75, déjà en 2012, 2012 72 milliards de dollars. Comment en 2022, avec des prix de pétrole encore plus élevés, et avec un marché encore mondial encore plus affolant, plus affolant, avec une demande mondiale plus forte sur les hydrocarbures, notamment sur le gaz et le pétrole, beaucoup plus forte qu'en 2012, on ne va gagner que 50 milliards de dollars. La réalité de ce chiffre de 50 milliards de dollars, c'est qu'il cache un échec. L'échec de la Nouvelle Algérie, encore une fois, à construire une économie nationale prospère. La Nouvelle Algérie ne sait pas construire, n'a jamais su comment réaliser la prospérité, et pourtant, le régime Bouteflika a laissé un pays qui n'était pas endetté. Bouteflika, le dictateur, le salopard que nous avons honni, que nous avons insulté, que nous avons enterré comme un chien, rappelez-vous qu'il m'a fait 2021, a laissé derrière lui quoi, un pays qui n'était même pas endetté. 60 milliards de dollars pratiquement de réserves de change, avec des réserves d'hydrocarbures, des réserves de gaz. Les réserves avaient encore baissé, certes, mais il y avait énormément de réserves qui n'étaient pas encore inexploitées et inexplorées. Donc la Nouvelle Algérie avait tous les atouts pour que Sonatrach était encore solide avec ses compétences. Le pays ne connaissait pas de menaces terroristes, il était pacifié, il n'y avait pas de problème contre la sécurité nationale. Donc la Nouvelle Algérie avait tout pour réussir. La Nouvelle Algérie avait tout pour bâtir une économie prospère. Mais d'ailleurs, en 2019, ils ont des chiffres qui ne veulent rien dire. Ils ont gagné 50 milliards. Au lieu de gagner 75, au lieu, normalement, le PDG de Sonatrach, tout fait Khakar, ou l'Abdelmajid Tebboune, ou le Premier ministre Ayman Abderrahmane, il devrait expliquer aux Algériens pourquoi on ne gagne pas assez d'argent. Ils ont 50 milliards. Alors qu'auparavant, nous gagnions, lorsque le prix du pétrole était vraiment en flèche, comme en 2011, 2012 et en 2010, on gagnait de 57 encore une fois jusqu'à presque 80 milliards de dollars en 2013, en 2012 plutôt. C'est énorme. C'est énorme. En 2011, 72 milliards de dollars. On avait la possibilité de gagner beaucoup plus d'argent avec des prix de gaz et de pétrole aussi élevés. Mais au moins, je dis la vérité. Mais la richesse nationale produite en Algérie. La richesse nationale d'un pays, il y a un indicateur qui peut l'évaluer, on appelle ça le PIB, qui est le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est toutes les richesses qui ont été créées par la population d'un pays sur son sol durant toute une année. En 2020, la richesse nationale de l'Algérie a chuté jusqu'à 145 milliards de dollars. Jamais nous avons enregistré une telle chute, un tel recul au niveau de notre PIB depuis 2010. 2020, il y avait la pandémie de la Covid-19, ça pouvait s'expliquer. En 2021, le monde entier s'est relancé, puisque les prix du baril du pétrole et du gaz ont commencé à augmenter fortement dès juin 2021. Donc il y avait une relance économique mondiale à partir de juin 2021. Malgré cela, l'Algérie, le PIB de l'Algérie en 2021, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Office national des statistiques, un organisme gouvernemental algérien et officiel, et a donné le chiffre officiel, l'Algérie, le PIB de l'Algérie était de 163, a atteint 163 milliards de dollars en 2021. Alors qu'en 2019, au moment où les prix du pétrole et du gaz étaient plus bas que les prix fixés ou affichés en 2021, la richesse nationale de l'Algérie était de 172 milliards de dollars. Et en 2018, notre richesse nationale était de 175 milliards de dollars. Et en 2017, notre richesse nationale était de plus de 170 milliards de dollars. Jamais on n'a atteint 170 milliards de dollars au cours de ces 4 ou 5 dernières années. La Nouvelle Algérie avec les prix du pétrole qui augmentent, avec les prix du gaz qui augmentent, avec un monde qui est en ébullition sur le plan économique, qui est en pleine reconfiguration depuis la guerre lancée contre la Russie, lancée par la Russie contre l'Ukraine, avec des marchés émergents qui ne cessent d'engranger des revenus, d'attirer des investissements importants, on a toujours un PIB qui est faible, et ça veut dire que notre pays régresse. Maintenant, 2019, on est en train de régresser, et en 2021, en l'absence d'un plan de relance économique pour l'économie nationale, nous n'avons même pas pu, je dis bien nous n'avons même pas pu, atteindre le niveau de richesse qui qu'on a atteint en 2019. C'est-à-dire à ce rythme-là, même il y avait 2022, le PIB a dit là 175 milliards de dollars ou là 170 milliards de dollars, on va retrouver à peine le niveau que nous avons atteint en 2019. Yani pour que l'Algérie puisse connaître une véritable croissance économique. Je m'attends à la croissance économique, c'est l'augmentation du niveau des richesses du pays. Et le PIB qui est là, et le PIB qui est là, ça veut dire que tu n'es pas en train de faire de la croissance économique. Lequel le PIB qui est là, tu fais de la croissance économique. Parce que nous avons 175 milliards de dollars ou là 180 milliards de dollars pour battre le seuil ou là pour dépasser le seuil auquel nous étions fixé ou là auquel on s'était habitué depuis 2017-2018, il faudra attendre 2025-2026. Et juste après le mandat d'Atebboune, on n'a même pas la certitude ou la garantie qu'on va retrouver le même niveau de richesse qu'on nous avions en 2018 là en 2019. Donc la nouvelle Algérie patine, elle ne progresse pas, elle est en train de régresser, et au niveau de la création de richesse et au niveau de la création de prospérité, elle n'a absolument aucune leçon à donner à l'ancienne Algérie qui était bien meilleure qu'elle. Donc les dirigeants actuels, au lieu de mentir et de manipuler les gens, ils devraient se remettre en cause, faire preuve d'humilité, retrousser les manches et d'aller travailler un peu.